Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur, qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires, dit juste quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Et vous avez tous suivi ici les mouvements de tous ceux qui sont rentrés dans le pays. Tous ceux qui ont voulu rentrer sont rentrés. Maintenant que quelqu'un refuse de rentrer, c'est sa responsabilité. On ne peut contraindre personne à rentrer. Le pays reste ouvert. Maintenant, quant à savoir si les décisions de justice seront appliquées, au risque de vous décevoir, je vous ai dit que je ne commande pas les décisions de justice. Il y a le temps de la justice, il y a le temps de l'administration, il y a le temps de la politique. La justice prend son temps. Dans notre système, c'est elle qui a l'opportunité de l'action. C'est elle qui décide quand elle poursuit, quand elle ne poursuit pas, quand elle exécute une décision qu'elle a elle-même librement prise. Donc je ne veux pas faire de commentaires, je ne peux pas présager de ce qui sera. C'est des questions de justice qui sont traitées donc par l'administration judiciaire dans notre pays.